Le poivre, une culture qui est à plus de 65 000 francs le kilo en Europe. Salut chers agriculteurs modernes, bienvenue sur la chaîne YouTube Benin Flores Revolution. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos prochaines vidéos et activer les cloches de notification. On y va, venez. Alors, si vous vous souvenez, il y a de cela 3 mois, nous avions lancé une vidéo sur notre chaîne YouTube sur la production du poivre. Et nous vous avions montré la plantation de poivriers quand on était en train d'installer les tuteurs. Voilà. Alors, c'est quand nous étions en train d'installer les tuteurs. Le tuteur du poivrier, c'est le New Budia Lewis, ou bien bâtiment en langue nationale, en langue fond au Bénin. D'accord? Le New Budia Lewis, ou bien l'ISOP, est une plante qui permet de tuteurer les liasses de poivriers. Donc, vous êtes en train de constater sur tout le domaine une plantation de poivriers. Une très jeune plantation de poivriers. Et pour savoir de façon très claire et précise comment faire la production de poivriers, il faut d'abord avoir beaucoup de moyens. Comme je l'avais indiqué, en agriculture, il faut avoir beaucoup de moyens. D'abord, en grand 1, dans la vidéo, dans nos vidéos présentes, dans l'une de nos vidéos présentes, nous avions énuméré les 7 étapes pour pouvoir réussir en agriculture. Donc, il faut d'abord, premièrement, se faire former, avoir les moyens, s'entourer d'experts, etc., etc. Donc, il faut avoir beaucoup de moyens avant de se lancer dans la production de poivre. Ce n'est pas une production de petits bras. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas réussir la production de poivre. Donc, nous allons fumer le collier des plants et nous allons vous montrer le prototype parfait d'une production de poivre. Approchez-vous. Donc, avant de produire le poivrier, nous avons installé les tuteurs. Après les tuteurs, d'accord, il faut que le tuteur soit bien droit, bien érigé, pas de ramifications secondaires. Et au collier du tuteur, approchez-vous s'il vous plaît. Au collier du tuteur, nous avons le poivrier, le jeune plant de poivrier qui est en train de pousser. Et nous avons le copeau de bois qui joue un rôle spécifique. Et ce n'est pas un copeau de bois simple, c'est un copeau de bois complexe mélangé avec d'autres substrats. Donc, chez agriculteur moderne, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire ici au Bénin. Je vous rappelle que nous sommes en République du Bénin le samedi 29 septembre 2020 à 12h précises. Donc nous allons filmer tout le temps, toute la plantation du poivrier. Nous allons montrer les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et c'est des résultats vraiment encourageants, concluants. Hein? Donc c'est un peu ça. Et donner le microclimat nécessaire pour l'émergence du poivrier, il faut respecter, mesdames et messieurs, d'abord les conditions hydratiques, il faut respecter le type de sol, il faut respecter les intrants, il faut respecter le type de semences à utiliser, il faut respecter l'hydrate technique. Donc c'est un truc un hyper compliqué, c'est pas facile à faire, raison pour laquelle il y a 35 000 francs le kilo. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous montre voilà, un plan de papaye solo. D'accord, il pousse déjà. Penchez-vous, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est un plan. Penchez. Ça, c'est de la papaye solo. Et en plus de nos poivriers, ce plan-là nous crée un microclimat favorable au développement des poivriers. Donc, en même temps, nous sommes en train de vendre des graines de poivre. Nous serions également en même temps en train de vendre les fruits de papaye solo pour pouvoir amortir les différentes dépenses que nous avons engagées au cours de la production de notre implantation de poivriers en vue du Bénin. Ici, vous allez remarquer qu'il y a des pieds de maïs. Alors, ces pieds de maïs ont été installés tout simplement pour permettre d'amortir les frais liés au désherbage et à l'entretien du domaine. Donc, c'est de l'agriculture moderne, c'est de l'agriculture réfléchie. Ce n'est pas une agriculture de subsistance. Il faut installer des choses de petits bras. Non, on a installé pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut mettre les moyens. Et vous ne savez pas les moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir vraiment réaliser cette belle plantation. Donc, madame, monsieur, vous voyez comment les plants sont en train de se développer dans le champ. C'était, voilà, la substance de tout ce que nous tenions à partager avec vous sur cette chaîne YouTube Benin Flores Revolution qui parle exclusivement de l'agriculture moderne.